Donc nous sommes le groupe Mighty Tsar. Avec. Avec Tom au washboard et suitcase drum. Donc, c'est une valise qui sert de grosse caisse. Valise en carton. Ouais, voilà. Emilien à la contrebasse. Suzanne. Suzanne au banjo et au chant. Et moi-même, harmonica, guitare et chant. Le groupe a commencé en, il n'y a pas très très longtemps, enfin, en 2015. On est sur un mélange entre du blues, entre de la musique qui était jouée dans la rue à la Nouvelle-Orléans, on va dire un mélange entre country, entre du blues, entre des choses comme ça, des choses qu'on donnait plus tard, le jazz, vraiment de la musique. Enfin, on peut citer aussi le skiffle, qui était un style de musique blues joué avec des instruments de fortune. Ouais, c'est vrai. Mais alors, ce qu'il y a de curieux actuellement, c'est qu'avant, on remontait jusqu'aux années 50, vraiment grand maximum. Ou alors, c'était vraiment le créneau jazz. Et là, les mecs, ils étaient capables de remonter jusqu'aux années 20, 30 pour les gros standards. Mais ça restait une configuration jazz qui se mélangeait pas avec le reste. Tandis que là, les groupes, la moyenne d'âge, les groupes américains qui font ce style-là, c'est curieux parce que c'est 20 ans. Et ils se cantonnent pas forcément à rester dans un style, quoi. Au départ, c'est Cajun. Et ça a immigré aux États-Unis. Et c'est les groupes qui n'avaient pas trop de thunes qui disent je vais prendre ça pour faire la percussion. Ou la contrebassine aussi. Et tu frottes avec quoi? Et du coup, ouais, j'ai des dés à coudre aux doigts. C'est plus Cyril et Christelle. Suzanne, pardon. Alors, il n'y a pas de leader. Moi, j'écris les morceaux, lui, il les joue. Ah, ça, c'est l'interview des inconnus. Non, en fait, on gratouille tous les deux à la maison. On cherche des trucs. Et puis, quand on a deux, trois accords qui sonnent bien, j'écris des paroles. Et puis, quand nous, on est au point tous les deux, on leur envoie par Messenger. Parler des ouais, c'est bien, ouais, bon. Et puis si c'est bien, ils travaillent de leur côté, après on répète, et puis on a un morceau de plus.